tout ça, pardon, tout ça est implanté pendant que la terre est encore chaude, aussi bien les bulbes de fleurs, hein, donc il est temps de planter les tulipes, de planter les crocus et les jonquilles et tout ça, toute la gamme qui suit, pour qu'ils soient déjà en forme et prêts à fleurir au printemps, parce qu'ils fleurissent très tôt la plupart du temps. Et donc là, on en a plus parlé au groupe Fleurs. Donc c'est peut-être l'occasion de vous inviter aussi quand on fait des cours comme ça. Voilà. Les petits oignons craignent une forte humidité. Donc on peut éventuellement, si on a un terrain fort lourd, logiquement c'est que vous ne venez pas depuis longtemps ici, si vous avez un terrain lourd, parce qu'on vous donne toujours la possibilité d'avoir un terrain beaucoup plus drainé, hein, en faisant du compostage de surface, bien sûr. Hein, donc logiquement, la plupart qui sont ici viennent déjà depuis un certain temps. C'est où ils n'ont pas bien écouté, où ils n'ont pas assez de matériel pour alléger la terre, mais c'est possible de le faire. Moi, au départ, je cassais ma bêche si je voulais bêcher, parce qu'à l'époque, on bêchait encore. Hein. Maintenant, je travaille parfois avec mes mains. Donc, je fais mon petit trou et je plante mon affaire dedans et je le ferme. Bon, c'est pas bien pour les mains quand même, mais je pourrais le faire. Alors, donc, éventuellement une petite butte ou éventuellement faire une petite rigole que l'eau, le surplus de l'eau puisse partir. Si vous avez un terrain qui est un peu en pente, que l'eau puisse diminuer. Voilà. Un petit peu protégé des oiseaux ou des chats qui peuvent aller les gratter dehors. Bon, c'est encore un minimal, mais c'est embêtant. Quand vous avez fait votre ligne là et vous trouvez une ligne sur 50 cm de large, donc mettez un petit filet, mais l'enlever une fois qu'ils sont enracinés, c'est plus nécessaire. On peut les manger jeunes en avril-mai, mais on peut aussi les laisser grossir et quasi faire comme les oignons qu'on plante au printemps. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas non plus de mouches qui pourraient venir pondre dessus. Ce n'est plus la saison. Donc celui qui est toujours embêté, ben, il doit, dès le départ, quand il met les oignons et tout ce qui s'ensuit, dès le départ, alors mettre un voile anti-insectes. Ça, c'est le plus radical. Alors, parce qu'il y a des gens qui ne savent plus en cultiver. Hein, les oignons, moi, pendant tout un temps, je ne savais plus, j'en cultivais plus. Parce qu'à chaque fois qu'ils avaient bien poussé, tout d'un coup, ils fondaient. Quand on tirait, on voyait des asticots là en dessous qui avaient tout mangé, ils pourrissent et ils sont perdus. Maintenant que je mets, j'ai fait carrément une cage avec un voile anti-insectes autour, j'ai plus ce problème-là. Les échalotes. Donc là, c'est plus pour manger en verre, mais moi, j'en mets aussi dans la serre pendant l'hiver. Donc on les mange en verre au printemps, assez tôt. Et quand on en laisse, on obtient quand même aussi des belles échalotes dans la serre. Moi, j'ai eu des beaux résultats, aussi beaux que dehors. Je sais que la plupart les mangent qu'en verre et qu'ils ne les laissent pas, mais si vous en mettez assez bien, et vous pouvez utiliser vos échalotes à vous. Hein. Sinon, il faut en acheter. Mais n'achetez jamais des choses à manger qui sont d'origine française ou d'ailleurs. Parce qu'ils sont souvent passés au cobalt, donc ils ne savent plus repousser, ils sont tués en fait, mais ils conserveront très bien. C'est pour empêcher la germination. Donc, et pas ce qui a été fumé bien sûr non plus, ça ne va jamais plus pousser. Hein. Donc essayez d'en avoir dans une ferme, à côté de chez vous, si vous n'en avez pas. L'année passée, le fermier, mais il me l'a dit à la fin de la saison, il ne savait pas quoi en faire tellement qu'il y en avait. Cette année-ci, il n'a pas réussi. Donc, tu vois, même les... Non plus. Pas non réussi plus. Du tout. Les échalotes, c'est pas ce qui s'est passé. La météo a joué des tours. Mais l'année passée, c'était énorme.
Je crois qu'elles ont eu un moment d'arrêt de végétation. Oui, oui, oui. Il y avait un coup de sec un peu trop au début de saison. Sec et très chaud, donc ils ont plus ou moins arrêté de pousser, en fait, je suppose. Voilà. Ignace, les oignons, c'est dehors que tu les mets? Les deux. Ça va très bien en serre. Oui, parce que j'ai mis en serre l'année passée, ils ont tous pourri. Ah ouais? Il n'y en a plus un. Non. Et dehors, je n'ai pas encore essayé. Mais... Maintenant, ben, je ne sais pas la variété que c'est. Je ne sais pas si c'est marqué les, sur les deux jaunes comme cela. C'est pas marqué là quelle variété. Je regarde dehors, vous avez des lumières. Avant, c'était quoi encore qu'on avait Radar. Non, ouais, c'est radar. C'est mais on ne trouve plus le radar. C'est pas un nom japonais, je pense. C'est hollandais, mais c'est hollandais, ouais. Le nom, c'est Golden Selection. Golden Selection. Golden, oui. Senshu Yellow. Ah oui, c'est ça. Donc c'est quand même c'est ça, un truc japonais. Japonais chinois. Non. Et les rouges, ça c'est autre chose. Ça c'est Red Arrow. 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 Flèche. On vend maintenant des plants de chalotte. On vend des plants de chalotte. Nous, on n'en a pas fait rentrer. Je ne sais pas s'ils en vendent. C'est plus au printemps. C'est surtout au printemps. Moi, je mets aussi des échalotes en terre maintenant. Ah, mais c'est très intéressant parce qu'on les a vraiment. Et je mets un voile pour ça. Très tôt dans l'année. Hein. Oui, oui, dehors avec un voile éventuellement, mais bon, même sans voile, ça, ça peut marcher. Les mouches, hein. Oui, oui. Oui, surtout maintenant, les mouches, ils vont se prolonger leur vie. Hein. Donc chaque année, c'est différent. Il faut s'adapter à chaque fois aux conditions qu'on a. Ce n'est pas évident. Ça, après, quand on les accueille, ça conserve en général hein, les oignons, les échalotes, l'ail aussi. Ça conserve en plein air, au froid, du moment qu'on ne touche pas quand ils sont gelés. Donc, quand ils sont gelés, c'est un peu comme les pommes de terre quand ils ont fort froid. Et ils se cognent les uns aux autres et ils deviennent un peu noirs. Hein. Donc, bien sûr, en serre, il faut, de toute façon, avec ou sans oignons, ou choux, ou... tout ce qu'on peut mettre pendant l'hiver, ça je vais laisser la parole tout à l'heure à Michel, il va vous expliquer tout ce qu'on peut faire dans la serre. Il faut arroser. Hein. Qui a rien ou qui a quelque chose. Tout l'hiver, il faut arroser pour garder la vie au sol. Alors, l'ail en serre, c'est très difficile. On croirait que c'est possible, mais non. Mais le meilleur moment de planter l'ail, c'est maintenant, hein, avant l'hiver, pour avoir des des belles têtes d'ail. C'est maintenant. Donc on en a aussi. Cette année-ci, je trouve que les têtes sont aussi plus petites. C'est peut-être aussi la météo qui a joué. Voilà. Mais c'est l'ail violet et l'ail blanc, hein, en l'hiver. Et celui qu'on plante au printemps, c'est encore possible, c'est l'ail rose. Rose. C'est différent. C'est une autre variété. Maintenant, si vous n'avez pas l'occasion de venir en chercher ici, nous on ne demande pas mieux. En plus, les prix sont plus intéressants. J'ai vu que même en grande surface, les oignons, c'est à peu près le double du prix d'ici, pour les jaunes. Et les rouges, ils les avaient mis au même prix, mais ils gagnaient assez sur les jaunes, je pense. Non, c'est au même prix que les jaunes qu'eux, ils vendent. Hein, mais ici, c'est quand même aussi 1,50€ pour les rouges et 1€ pour les blancs, les oignons. Ce sont des plantes qui aiment bien un petit peu le calcaire. Hein, et qu'ils aiment une terre un peu alcaline. Ce qui veut dire que quand ils ont poussé, on peut poudrer un peu avec des algues marines. Donc ça leur fera du bien. Et si on n'a pas de poudre, on peut mettre des grains de choux? On peut mettre des grains. On va sur la terre quand même. Oui, oui. Et on n'a plus l'effet que ça soit absorbé par le feuillage, mais ça sera quand même absorbé par les racines. Bon, si on a un petit... On fait une fois un tour au marché aux puces et on s'achète un vieux petit moulin électrique pour le café. Là, et vous passez ça 2 minutes au mix.
trucs pour le café. Et vous avez un beau petit paquet déjà de poudre que vous pouvez éventuellement faire. C'est ça l'inconvénient qu'on ne trouve plus chez notre fournisseur, des algues en poudre. Il n'y a plus qu'en granulé. On a reçu une réponse sur l'overblog de quelqu'un qui dit qu'en Flandre, ça se trouve encore dans les grandes surfaces. Dans certaines grandes surfaces. Jardinerie. Voilà. Avant de continuer tout ça, je vais une fois parler, et ça je vais faire en plusieurs fois, pour quelqu'un qui veut démarrer un jardin. On a souvent des gens qui disent, on est débutant, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Ben, c'est maintenant qu'on commence le jardin pour l'année prochaine. Et il ne faut plus tarder. Donc si vous avez un terrain qui est envahi partout, ou que vous voulez créer un morceau de plus dans votre terrain, c'est maintenant qu'il faut faire. Donc, quand le sol est encore chaud, donc on va soit à la rasette, soit faucher tout ce qu'il y a, et on peut même laisser sur place, et c'est mieux de couvrir avec du carton brun, des grands emballages. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui achètent sur Internet et que ça est livré dans des boîtes, etc. On ne sait pas quoi faire de ce carton-là, mais il peut être recyclé là. Certains magasins ne demanderaient pas mieux aussi que pour les débarrasser des grands cartons. Donc essayez d'avoir ça. Quitte à ce que vous mettez déjà du compost et après les cartons dessus, mais je dirais plutôt mettez les cartons sur ce que vous avez fauché et mettez votre compost au-dessus. Comme ça, les cartons ils s'envolent pas. Hein? Si vous n'avez pas de compost, et même si vous avez des composts, mettez tout ce qui est des résidus de choses qui ont été vivantes, végétales. Donc, les fans de pommes de terre, les fans de haricots, de tout ce que vous avez, les taillures de haies que vous avez broyées, etc. Vous pouvez tout mettre là. Tonte d'herbe aussi. Hein. Tonte d'herbe. Et préférez qu'il y a des feuilles qui sont tombées dans l'herbe pour tondre. Vous allez faire un mélange d'herbe, vert, et ce qui est tondu, du carbone, et les feuilles vont être broyées, donc ils vont plus s'envoler, parce que si vous mettez les feuilles comme ça, avec le premier bon coup de vent, ils sont chez le voisin, c'est quand même mieux qu'ils restent chez toi. Donc couvrir avec toutes sortes de choses, tout ce que vous savez trouver, et au fur et à mesure, vous pouvez en rajouter. Donc, quelque chose de très facile. Surtout que le terrain est assez grand, donc on a parfois un peu de mal à tout gérer. Et ben comme ça, ça fera quelques parcelles qu'on ne doit vraiment plus s'en occuper. Alors c'est très efficace. Donc le carton empêche les mauvaises herbes de repousser, parce que ça couvre complètement, ça empêche la lumière de passer, donc les plantes de germer. Et les graines aussi, les graines des mauvaises herbes. Voilà, on a déjà fait ça plusieurs fois et c'est assez efficace. On dira les cartons, c'est vrai qu'on peut les recycler dans des centres de recyclage. Mais bon, on peut s'aider un peu. Ce sont surtout des emballages de meubles ou bien d'électroménager, donc des choses assez grandes. Voilà. Et en plus, c'est donc le carton, c'est une nourriture pour les vers de terre. Donc c'est de la cellulose, donc c'est un peu du carbone, donc ça retourne dans le cycle naturel des sols aussi. La seule chose qu'il y a, c'est qu'au printemps, surtout si c'est pour semer, il faudra dégager un petit peu ça pour que le sol s'est de retour se réchauffer. Mais toute cette couverture-là, va faire que votre sol, sauf s'il y a vraiment des grosses gelées, ne va pas geler en profondeur. Donc il restera plus chaud et actif. Et c'est ça qu'on cherche, qu'il reste actif et qu'il se nourrit tout seul. Hein, donc tout ce qui, les cartons et tout ce que vous avez mis au-dessus, se décompose un peu à la fois. Mais c'est quoi se décomposer? C'est se faire manger en fait. Par les bactéries, par les vers de terre, par un tas de choses
qui vont faire drainer aussi votre sol. On peut la faire. Donc, c'est maintenant. Le plus vite, même celui qui a son potager, si vous avez même encore des choux ou quoi que ce soit, entre deux, il faut mettre le plus possible de matériel que vous avez récolté chez vous, dans le fossé d'à côté, ou ce que vous pouvez éventuellement chercher si vous n'en avez pas assez vous-même. On peut mettre du foin, on peut mettre de la paille, on peut mettre du fumier, on peut mettre un tas de choses. Un autre moyen aussi de faire pour que la terre se réchauffe, c'est mettre une bâche noire au-dessus, au printemps. Hein. Il y en a qui travaillent tout l'hiver avec une bâche noire. À ce moment-là, il faut au moins que c'est quelque chose de tissé qui laisse pénétrer l'eau et qui laisse aussi rentrer l'oxygène. Si vous mettez un plastique noir uni, vous allez, à mon avis, faire quand même des dégâts. Vous allez priver le sol de lumière, ça c'est rien. C'est ça qui va empêcher les adventices, donc les plantes sauvages, de repousser. Et quand vous avez fait ça, au printemps, votre terre sera propre. Vous n'auriez plus besoin de travailler beaucoup pour pouvoir planter et éventuellement semer. Peut-être aérer avec une actibèche, là, une grelinette, ou quelque chose de ce style-là. Évitez de passer au motoculteur quand vous avez fait ça, parce que vous allez tuer des centaines et des milliers de vers de terre. Ils vont être broyés et mourir. C'est pas comme dans le temps, on disait, on coupe un ver de terre en deux, on en a deux. Non, c'est pas vrai ça. Hein. On en a deux qui vont mourir. Donc, voilà, ils vont bouger pendant un certain temps. On a l'impression qu'ils vivent encore, mais bon, c'est vivre jusqu'à ce qu'ils meurent. Alors, tu parlais de bâches étanches. Justement, comme c'est surtout l'hiver qu'on accumule l'humidité dans le sol. Aussi. Donc, lorsqu'on met quelque chose d'étanche, ben, on n'a pas cette humidité qui sera accumulée, et l'été suivant, ben, on aura une pénurie d'eau à cet endroit-là, puisque on n'a pas stocké l'eau qui est tombée du ciel. Donc on aura le même problème si on met une bonne couche de paille ou de foin dessus. Ça passe à travers. Ça passe en travers, ouais. Ça c'est pas un souci. L'inconvénient de la paille, c'est qu'elle est claire en couleur. Sauf si votre terrain est déjà bien vivant, etc., elle va se décomposer beaucoup plus vite. Mais à ce moment-là, le soleil ne s'est plus réchauffé. Tout ce qui est noir prend la chaleur, tout ce qui est clair... Et ça, c'est surtout au printemps. Hein. Pendant l'hiver, c'est peut-être moins... Oui, l'hiver, c'est pas important. C'est moins important. C'est toujours mieux que la terre se réchauffe un peu pour la vie du sol. Mais bon, je dirais que... La paille est plus intéressante en été, justement, parce qu'elle est claire et elle accumulera moins la chaleur. En hiver, c'est peut-être... Et moi, au début aussi, j'avais fait ça, il y a longtemps, hein, il y a 15 ans. Et c'est vrai que mon terrain n'était pas du tout à travailler ou à semer ou à quoi que ce soit quand j'enlevais la paille. Et ça, c'est aussi l'expérience qui fait qu'on constate qu'il faut soit libérer, si c'est, surtout si c'est de la paille, mais si c'est pour repiquer, vous pouvez tout laisser en place, et vous faites un trou là où ce qu'il faut planter, vous plantez, et vous remettez un petit peu toute cette couche-là, et votre terrain continue à se nourrir, il y aura beaucoup moins d'herbes et toutes sortes de plantes que vous ne désirez peut-être pas, qui vont pousser, vous gardez l'humidité, une certaine chaleur aussi dans le sol, tout ça, ça peut rester en place. Ça, c'est pour moi. On dit souvent, est-ce que tu n'auras pas trop de limaces? Pas nécessairement, si vous ne faites rien. Donc, il faut faire la chasse aux limaces du 1er janvier au 31 décembre. Pas se laisser envahir. Il faut en garder parce qu'ils sont utiles aussi. Donc il ne faut pas tout bousiller, il faut en garder. Mais il faut faire qu'il y a un équilibre. Hein, moi, le soir, souvent, bon, moi, ça c'est moi, hein, avant d'aller dormir, je fais le tour de mon jardin, même qu'il y a minuit, une heure du matin, je m'en fous.
Et alors avec ma lampe de poche, parce que voilà, je trouve encore une limace. Bon, je la prends, je la mets de côté dans une boîte pour les poules le lendemain. Ou pour ne pas froisser certaines personnes, quand même, je les liquide, quoi. Voilà. En brochette. Je crois qu'aucun jardinier ne jettera la pierre. On les tue. J'ai rien dit. Nous, on en a beaucoup, mais on a énormément de hérissons. Ouais, ah ouais, voilà, c'est pareil. Ça fait une michoirée à hérissons. Ah, on n'a pas de limaces. Dans mon potager, j'ai des hérissons, ils mangent les croquettes. Sur mes assiettes, quelque chose, il y en a en dessous. Mais... Moi, j'ai encore des limaces, mais c'est rare que j'ai des dégâts par les limaces. Parce qu'il n'y en a plus de trop. Non, et ils mangent souvent les choses qui sont en train de dépérir. Oui, hein? Bon, j'aime pas trop les gros escargots, là, les petits gris. Eux, ils sont voraces. Hein. Ah, ouais. Ça, pas non plus, on trouve des coquilles vides partout. Ça, c'est les grives. Là, ça, les merles aussi. Un peu d'ail dessus. C'est souvent, là, si vous avez de la chance d'avoir une grive, elle va vous casser tous les... Ah, mais oui, les merles aussi. Les merles, ça mange. Les poules aussi, hein, mais il faut mettre son pied dessus. Et alors, ils mangent aussi bien la coquille que, que la vedette, quoi. Hein. Et pour eux, ça, c'est bien, c'est du calcaire pour, oui, pour faire les coquilles d'œufs. Faire les coquilles. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier jet, parce que c'est maintenant qu'il faut que les gens qui veulent démarrer un jardin démarrent. Donc, c'était temps de le dire. Ça aurait été fait en septembre, c'était encore mieux. Bon, c'était hier, en septembre. Voilà. Alors, j'étais ici. Donc, maintenant, on a parlé de oignons, ail, échalotes. Maintenant, les fèves. Les fèves ne se mettent pas à côté des ail, échalotes, poireaux, oignons, parce que ils vont empêcher les légumineuses, qui sont les fèves, les petits pois, les haricots, de faire leurs nodules. Hein, les sécrétions par les racines des ail, des oignons, des échalotes, du poireau empêcheront que les légumineuses captent l'azote qui est dans l'air et fabriquent, ils ont des petites fabriques là à leurs pieds, l'engrais qu'il leur faut azoter pour bien pousser et pour bien fleurir et donner du grain. Donc, pas à côté. C'est un très bon engrais vert. Donc même si on ne mange pas les fèves, on peut en mettre aussi comme engrais vert. Ou si on en a trop, on met un engrais vert. Comme tous les engrais verts, on passe à la rasette. On ne tire pas. On laisse les racines dans le sol. Ce qui va faire aussi que les racines en se décomposant vont faire un drainage naturel. Donc ils vont laisser des petites galeries. Quoi, hein. Ils vont être mangés de toute façon par les vers, par les cloportes, par tout ce qui peut vivre dans le sol. Ils vont disparaître tout seul. Voilà, les pucerons noirs, tôt au printemps, souvent les fèves, ils ont les pucerons noirs. Ils vont favoriser la reproduction des coccinelles. Hein, ils vont trouver à manger, donc ils vont aller là-dessus pour manger, mais ils vont aussi pondre. Et les larves vont être là pour manger les pucerons noirs. Nous, on ne va peut-être plus manger ces fèves-là, mais les coccinelles ne vont pas rester là. Ils vont faire le tour du jardin et faire du nettoyage ailleurs après. C'est une très bonne nourriture pour les humains aussi. Hein. Donc, il ne faut pas jeter. Les jeunes gousses comme les haricots verts, les jeunes grains... croquer, il y en a qui font au sel, quoique il faut se limiter quand même au niveau du sel aussi pour la santé. On peut les faire cuire et on peut tirer la petite peau. Nous on fait ça dans l'assiette, hein, parce que bon, si tu veux faire une soupe et qu'il faut en peler beaucoup, c'est vrai que c'est un boulot. Mais si tu as 20 ou 30 fèves dans ton assiette, ben t'as vite. Soit tu coupes en deux, tu enlèves l'intérieur, tu manges l'intérieur. Il y en a qui mangent comme ça, hein. Mais bon, les anciens Belges, il y en a partout aussi, hein. Les Gaulois. Voilà. Donc, chacun, il fait comme il veut.
Voilà. Les épinards. Donc on peut encore semer des épinards. Moi je préconise soit les épinards d'hiver, donc il y a des variétés, il faut regarder dans le catalogue, qui sont plus destinées à faire l'hiver. Mais à mon avis, ils peuvent tous marcher. Hein. Mais sinon, c'est ceux qu'on utilise aussi comme engrais vert, donc en grosses graines piquantes, qui peuvent servir. Maintenant, il y a deux façons de faire. Il y en a qui font une ligne assez dense et qui coupent quand ils sont fort jeunes, qu'ils n'ont pas le temps d'attraper l'oïdium, hein, parce que c'est ça, quand vous les mettez fort serrés, ils attrapent toutes les taches blanches, là, c'est un genre de champignon, et ils sont plus consommables, on va dire. Sinon, il faut les distancer. Il faut au moins, je dirais, 15 à 20 cm entre chaque pied. Et alors, on va pas, quand on veut les manger, on ne va pas tout couper, on coupe les grandes feuilles et on laisse pousser le reste. Et ce qu'il y a trop, ben, ça deviendra de l'engrais vert. Donc, écoutez aussi ce que Michel a dit sur la méthode de Gertrude Frank. Hein, donc, c'est un très bon engrais vert, même si on ne s'en sert pas pour manger. Il y a presque plus de racines dans le sol que de la verdure qu'on voit au-dessus. Donc, c'est très important, l'enracinement, ce qui fera toute la nourriture pour le sol. Hein. Donc, même si on a mangé toute la verdure, il y a encore autant dans le sol, même qu'on ne se rend pas compte, et qui va servir à nourrir vos plantes qui futures. Alors, la mâche, c'est encore moyen, mais je dirais c'est surtout maintenant soit pour le printemps, soit en serre froide, il y a encore moyen aussi. Et là, ça va aller un peu plus vite. C'est assez long à lever, parfois. Donc peut-être mettre 24 heures, 48 heures au congélateur avant de semer, ça peut aider. Il y en a maintenant qui gardent leurs graines tout le temps au congélateur. Ça c'est aussi une possibilité de faire. Parce que j'ai un peu peur de geler, dégeler, geler, dégeler. Donc ça ne va pas faire des paquets, donc vous pouvez, pendant que c'est encore gelé, enlever ce que vous estimez avoir besoin, refermer le paquet et remettre au congélateur à ce moment-là aussi. On ne coupe pas non plus à ras du sol, on prélève les grandes feuilles et puis on mélange avec tout un mesclin qu'on a parlé le mois passé, je pense. Hein. Chou de Chine, ça devient très urgent. Donc il y a encore possibilité, les Mizuna, les Mibuna, etc. ou d'autres. Hein. Mais à un moment donné, au printemps, qu'ils sont petits ou gros, ils vont monter en grain. Donc ils vont végéter assez bien tout l'hiver et il t'aura une courte période pour les manger après, parce qu'ils vont très vite filer. Les tues toute saison, les tues à couper, à cultiver à l'intérieur de préférence. Donc, un coffre, une couche, une serre froide, ça marche très bien. L'étude d'hiver, donc toute la rubrique de l'étude d'hiver, ça c'est intérieur ou extérieur, à condition de ne pas avoir de limaces d'oiseaux, etc., etc. Dehors, c'est parfois un peu plus compliqué quand même. Il faut quand même un petit peu les protéger. Les laitues romaines d'hiver, donc romaines d'hiver, parce qu'il y a des romaines et il y a des romaines d'hiver, résistent un peu mieux au froid que les autres. Voilà, ben je vais laisser la place à Michel. S'il y a des questions, c'est le moment. Sinon, après.